السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن شاء الله هذه الحصة جديدة من دروس المستوى الثالث في اللغة الفرنسية. Nous sommes le lundi 22 octobre et nous avons une séance d'activités orales aujourd'hui. Donc, les présents vont pouvoir participer, Inch'Allah, à la séance. Alors, j'espère que ça marche, que les micros s'ouvrent et qu'on puisse donc parler. Alors aujourd'hui, nous allons essayer donc de raconter un souvenir d'enfance ou un souvenir qui vous a marqué dans votre vie, que ce soit d'enfance ou que ce soit un souvenir qui est resté inoubliable pour vous. Alors, bonsoir à tous, je le répète, bonsoir à tous. Bon, alors nous sommes toujours dans le récit, le genre du récit. La narration en général. Et aujourd'hui, donc, nous allons raconter oralement. Ce sera une activité, donc une séance d'oral, de discussion. Alors, les personnes donc qui veulent participer, ils vont pouvoir donc nous raconter un souvenir d'enfance ou bien un souvenir que vous ne pouvez pas oublier ou bien qui est resté donc gravé dans votre mémoire. Et si vous voulez donc poser une question en même temps, c'est-à-dire si vous racontez, vous terminez et vous voulez me poser une question, donc je peux répondre à vos questions. Bien, alors je vais commencer par ouvrir les micros. Donc j'ouvre pour Hanan. J'espère que ça s'ouvre. Non. Alors j'ouvre pour Mohamed. J'espère que Dame Fanny, donc, elle sera m'aide dans cette opération. Donc, elle ouvre elle aussi pour le présent. Alors, espérons que ça marche. Ah, Hanan, le micro ne s'est pas ouvert. J'attends que ça s'ouvre pour Mohamed. Sinon, je vais donner à قواعد الصوتيات ما المقصود بقواعد الصوتيات؟ شكرا.
Alors, Mohamed n'a pas le microphone, malheureusement. Je vais m'enrichir. Essayer pour m'enrichir. Il me dit que c'est la première fois que j'assiste. Alkrim, si tu as déjà donc un petit peu de français, tu peux participer avec nous. Tu es le bienvenu. Alors, Isra, s'il te plaît, si tu peux nous aider. J'ouvre pour Abdelkrim. J'ouvre aussi pour Rehab. Je sais pas s'il y a un micro qui s'ouvre, donc ça peut aller. Ah, donc la phonétique. Donc Abdelkrim, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Abdelkrim. Tu assistes pour la première fois au cours de français. Oui, d'accord. Oui, tu es de quel pays, Abdelkrim? Je crois que tu as oublié mon nom. J'ai déjà dit, j'habite au Tu Maroc. es mort. Ah, marocain, d'accord. Tu sais, Abdelkrim, je connais beaucoup de gens et donc les présents, chaque fois, il y a des noms qui s'ajoutent. Donc, je suis désolée d'avoir oublié. Mais ce n'est pas grave. Hein? C'est pas? Pas de problème. Pas Ah, de problème. d'accord. Alors, Abdelkrim, tu peux nous raconter un petit souvenir d'enfance ou bien un petit souvenir que tu n'arrives pas à oublier. C'est quelque chose de positif ou négatif? Comment ce que vous voulez, donc un souvenir, quelque chose qui t'est arrivé, que ce soit bon, que ce soit mauvais, mais quelque chose que tu n'oublies pas. Ok, mais la langue. Alors en français, D'accord, bien sûr. d'accord, d'accord. Ok, le problème c'est là. Ah Parce oui, que c'est là, je sais. Je sais. je crois. Oh, ok. Alors, essaie. Essaie. Ok. Essaie de raconter. D'accord. Ok, d'accord. La date de cette souvenir, c'est. Je crois de 2005, que je suis en train de passer l'examen de baccalauréat. Ah, d'accord. Dans l'examen de physique, parce que je réponds en très vite et chaque minute. Je vois mon montre. Est-ce que je suis bon en temps haut? La montre. La Oui. montre. Oui, Cette j'entends, montre. allez-y. Oui. Chaque minute, je regarde la montre et je réponds très vite. Je finis le premier pas, premier fois papy. Oui. Je crois, 1 heure. Le temps de l'examen, c'est 4 heures. Trois heures. Ah bon, quatre Quatre, heures. quatre. Je crois, quatre. D'accord. Maths et Non, physique. c'était. Et Oui. quoi? Les maths, c'est 4 heures. Tu étais sciences maths? Non, science X. Donc, c'est 3 heures.
J'ai oublié parce que Oui, l'émission. d'accord. D'accord, c'est pas grave. Oui? J'ai fini le papier, le L'examen? premier, je demande le deuxième. Oui, non, c'est pas l'examen. La Ah. réponse, c'est, comment on dit ça? Ils ont en plein. Je demande pour, parce que physique, ils ont beaucoup d'explications. Oui, d'accord. Ils en donnent, Oui? l'examen, ils en donnent jusqu'à 7 papiers de questions. Ah oui, d'accord, oui. Alors, vous avez demandé une autre feuille? Oui, j'ai Oui? demandé une autre que je suis en train d'écrire sur la deuxième feuille et le premier papier pour ne pas oublier, pour ne pas perdre. J'ai oublié sous la table. Ah. Tu comprends? Oui, j'ai Parce que compris. c'est juste. J'ai mis sur la table Alors, pour ne pas. Quoi? pour ne pas l'oublier. Oui, pour ne Oui. pas oublier. Mais Et puis après, le ils ont prof, cru que, oui, ils en croient ils ont que je cru, suis demandé ils ont pour. cru. Ils ont crié que je suis demandé J'ai demandé pour copier. j'ai demandé pour copier. Oui. Ils ont mis leurs mains pour la feuille, comment dire. Oui, ils ont pris la feuille. Ils ont pris la feuille pour copier. Oui. Tu comprends? Pour copier les Oui, j'ai papiers. compris. D'accord. Ils ont déchiré le papier. Oui, non, moi, j'ai stoppé mon prof pour ne pas couper le papier. Ah Mais oui? juste, ils ont fait un psychiquement pour moi. Oui, mais c'était grave, Chaque oui. minute, oui, chaque minute que je crois, si le prof est en copie, comment on va reprendre? Et Et comment tu moi, je vas compte recopier tout ça, hein? recopier tout ça. Oui. Où le temps, ils en passent. Si le Oui, prof le temps est passe en. vite. Oui, le temps passe vite. Et moi, déjà, j'ai chaque minute, je regarde la montre. La montre ou le monde? Oui. La montre, la montre. La montre. Oui, Chaque l'heure. minute, Tu regardes l'heure. oui, je regarde l'heure. Pour Oui. finir l'examen pour finir l'examen autant. Oui, et tu es arrivé à terminer? Oui, j'arrive à terminer. Mais le prof, le geste qu'ils ont fait, il fait quelque chose physiquement pour. Ils ont dit, si le prof, ils venaient à côté de moi. Je pose la question. Si tu as copié, tu copies mon papier, que je dois faire? Oui, Que oui, je oui. dois faire? Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je Mais peux le faire? c'est un mauvais souvenir, n'est-ce pas? C'est un mauvais souvenir. Oui. Ils ont dit, si j'y coupe. Si je coupe en copie, moi, le prof, ils ont recopié la feuille et créé un rapport. Ah bon, bon. Alors il te dit, s'il ne déchire pas la feuille, ils vont écrire un rapport et considérer ça comme du copiage. Non, non, je crois, tu n'as pas compris, je crois. Ah bon. Ah bon, d'accord. Alors c'est-à-dire Non, que ils ont cru. si le prof Oui. si le prof ils en coupent mon copie, mon papier, le prof responsable pour recopier la feuille. Ah bon, d'accord. Oui.
Ah. Et alors à la fin, mais à la fin, tu as donné les feuilles et ça s'est bien passé à la fin. Oui. Et tu as réussi à l'examen. Oui, la première année, j'ai réussi. Ah, très bien. Ah bon, alors ça s'est bien terminé, heureusement. Oui, merci. Heureusement pour toi. Merci Abkrim et donc nous allons essayer de donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc D'accord. je vais essayer avec Rehab. Donc je vais fermer le micro de Abkrim et essayer avec Rehab. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, Youssef, tu vas nous raconter un souvenir? Un souvenir, oui. Un jour, je voyage un entre et avec Oui. mes amis et j'ai perdu l'argent. L'argent, j'ai perdu. J'ai Et pas tu as d'argent perdu pour l'argent? arriver à. Ah, j'ai perdu l'argent. D'accord. Et qu'est-ce... Oui, Bon, c'est. comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réagi? Je veux aller à mosquée et je veux Ah, louer tous les hommes qui est dans. J'ai loué tous les hommes qui trouvent à la mosquée. Mais malheureusement, les hommes qui trouvent dans cette mosquée n'ont, d'après moi, aucun dirham pour sauver moi. alors, les musulmans, hein. Vous trouvez un nain. ce sont des bons musulmans. Oh Oui, là oui. là. Oui. Je trouvais un homme étranger. Je trouvais un homme étranger. Et je raconte Oui. l'histoire. Et c'est un homme, n'a pas marocain. C'est un homme Ah, c'est un homme étranger. marocain. Étrangère et sauvé. Oui, soit. C'est sauvé. Et c'est lui qui t'a sauvé. Oui, Malheureusement. ça c'est Ou peut-être mon heureusement pour histoire. toi. C'est heureusement Oui. pour toi, mais malheureusement pour les Marocains. Oui. Oui. Et alors, tu es revenu chez toi. Tu es de quelle ville, Youssef? De Assef. Et le voyage à Agadir. Le Ah, tu voyage es allé à que Agadir. j'ai fait à Agadir. Oui. Ah bon, La retour donc aussi. tu es mal tombé, hein? Tu es mal tombé. D'accord. Heureusement que c'est bien terminé pour toi et que tu es revenu chez toi sain et sauf. Oui. Alors, merci Youssef. Je te Au remercie revoir. pour... au revoir. Et nous allons voir avec Mariam. Je vais fermer le micro pour Youssef. Nous allons essayer avec Mariam ou bien avec Ahmed. Voilà, le micro s'ouvre pour... Non. Donc, voyons Mariam. Alors, voyons avec Samir ou bien Souma. Salam alaikum. Alaykoum salam, bonsoir Souma. Ça va? Ça va, merci. Et toi, ça va? Alhamdulillah. Alors, Je Souma, tu vas nous voulais... raconter un souvenir?
Mais malheureusement, j'ai pas de bons souvenirs. Je Moi, tu me racontes, hein. sais. Non, franchement, j'ai rien à raconter. Je laisse la parole. Essaye de te rappeler quelque chose. Donc, un petit souvenir, qu'il soit bon ou mauvais. Franchement, Aucun souvenir, c'est pas possible. il n'y a pas. Mais non. Comment dirais-je? Franchement, mon enfance n'était pas comme il faut. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, une enfance pas comme il faut? Normalement, les enfants doivent avoir des bons souvenirs avec leur famille, leurs amis, etc. Bon, et moi, j'étais pas en contact avec mes amis parce que mes parents m'ont dit que il faut pas sortir de maison, etc. Ah oui. Donc tu étais un enfant surprotégé. Oui, mais cette Et protection tu allais n'existe à pas. l'école quand même. Tu allais à l'école quand Oui, même. mais. Et à Oui, l'école, tu n'as mais. pas de souvenirs? Mon prof. Avec les profs, avec... Oui. Je me souviens. Une fois, j'ai oublié mon cahier et le prof m'a frappé, mais j'étais vraiment choquée. Pourquoi il m'a frappé alors que c'est une chance de rien. C'est pas Un grave, c'est petit, enfin, quelqu'un. c'est pas Oui, grave, oui. il m'a frappé parce que c'était la meilleure. Et il C'est pense parce que tu que je étais dois la pas meilleure. oublier. Exactement. C'est parce que tu étais la meilleure, il fallait pas oublier. Oui. Alors, mon prof aussi, comment dirais-je? Je n'étais pas la meilleure dans le maths. La prof, elle fait de racisme entre les Ah. élèves. Alors Elle là, préfère certains aux certains. aux autres, oui. Oui. Alors elle préfère ceux qui travaillent. Oui, parce que j'étais faible au maths. Elle commença à comment dirais-je? Elle attache mes cheveux, elle commence à me frapper, etc. Ah bon. Et Vraiment. on frappe encore les enfants Oui, en c'est pour ça Tunisie. actuellement. Oui, actuellement, j'aime pas les profs de primaire. Ah C'est oui, ça. surtout les profs de primaire, oui. Les Oui. profs du primaire, ils frappent les enfants, oui, c'est vrai. Ils sont sévères à tous les élèves, Ça, etc. oui, ils sont sévères. Ben, c'est Malheureusement, tout. oui. Bon, alors, Oui. merci, Souma. Merci. Malheureusement, tu as de mauvais souvenirs à l'école. Donc, espérons que dans la vie, tu auras d'autres souvenirs, mais plus heureux. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Donc, voyons avec Ali Aït ou bien avec Kautar. J'ouvre aussi pour Wafa. Alors, Wafa, c'est ouvert tout de suite.
Ça, tu peux nous raconter. Alors, ça n'est pas là. Ah. Pas. Kansar. Alors, bonsoir, Kansar. Bonsoir. Kansar. Bonsoir, Kansar. Bonsoir. Alors, bonsoir. 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 Alors, bonsoir, Kassar. Bonsoir. Ah bon, Kassar, tu vas nous raconter ce que bonsoir. Bonsoir. tu Bonsoir. Oui, il y a beaucoup de bruit. Hein? Allô? Allô, oui. Ah, allez-y, comme ça, tu vas nous rappeler. Il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, Kautar. Je suis née et c'est des rames. Je suis vais par mes papas à l'école parce que je Allô? Allô, oui, j'écoute. Allô? Allô, oui. Je t'écoute, Allô? Kautar. Allô, oui, j'écoute. Allô, oui. Alors, je t'écoute, Kansar, vas-y. Je suis pour la maîtresse de première à parce que elle est frappée. Elle frappe tout le monde. Oui. Moi, je n'ai pas à l'école parce que. Parce que. Oui. Parce que peut frapper la maîtresse. Ici, tout le monde, ici, tous les jours, ça frappe tout le monde. Oui, alors là, c'est un grand problème. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Il va que toute la famille par la maîtresse. Continue. Pour Parle bien. Ah. Allô? Bon, c'est. Bon, ça va, Kassar. Bon, ça va, Kassar. Ça va. Merci. De rien. Alors, en voyant que les maîtres et les maîtresses qui frappent les élèves, donc ça crée un grand problème psychique pour ces élèves. Ça laisse un mauvais souvenir qu'on n'arrive pas à oublier. Donc ça, c'est vrai. Et moi-même, j'ai un souvenir d'enfance à l'école primaire aussi, où une fois, mon prof, c'était plutôt une femme, ma maîtresse, elle m'a frappé jusqu'à ce que ma main soit blessée, que du sang donc coulait de mes doigts. Je n'ai jamais oublié ce souvenir-là. C'est vrai, c'est un peu difficile à supporter. Donc j'essaie d'ouvrir les micros pour. Alors Haytham Ali. Bonsoir Haytham.
Oui, sûrement. Bonsoir, Aïtam. Alors, Aïtam, tu peux répondre parce que le micro est ouvert pour toi. Aïtam, Ali, tu peux répondre. Le micro est ouvert. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vas-tu, Aïtien? C'est Imad. Ah, c'est Imad, je Imad. t'appelle. Bonsoir, Imad. Imad, ça va? Ça va bien. Alhamdoulilah. Bien, Imad. J'ai un peu Imad, tu vas nous d'espoir pour ça. raconter. Alors, Quoi? tu vas nous raconter, Imad, un souvenir? Oui, une fois, j'entre dans ma maison et j'ai été très fatigué. J'ai Oui. très fatigué. J'ai décidé de dormir dans mon salon, dans le fauteuil. Ça, c'est dans Ramadan. Dans Ah, Ramadan. c'était pendant le Ramadan, Et oui. ma famille. Oui, Vandram, oui. Ma famille, il me recherche. Ah, ils ne t'ont Et pas vu. il me recherche. Oui, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que moi j'ai dormi dans le salon. Oui. Après, il me recherche beaucoup. Toute la famille me recherche dans le quartier. Il me recherche, mais il ne me trouve pas. Après, Oui. papa, il va à la police pour me rechercher. Oui. Et ma famille, elle est inquiétée. Elle m'a Elle était inquiété. très inquiète. Il Oui. recherche dans le quartier. Oui. Et Oui. moi, c'est dans le salon. Et Oui. après beaucoup de recherches, près de Oui, au moment du déjeuner, oui. oui, en Ramadan, dans Ramadan, Oui, le déjeuner du Ramadan, oui, oui, il me parce trouvait qu'on dans déjeune le soir, oui. après il me trouvait dans le salon et il rit. Tous, ils rient. Alors ça, Moi, je suis dans le salon et ils me recherchent dans le quartier, la ils police, et recherchent. moi dans la maison. Oui. Oui, comme Oui. te dit Souma, Papa tu et te la sens police. que tu es Papa, très c'est pas important moi. alors. Oui. Merci Oui. beaucoup. De rien, Imad, donc c'est un bon et mauvais souvenir en même temps. Surtout pour ta famille, donc c'est les pauvres, ils ont cherché. Ça me rappelle aussi un souvenir, donc quand j'étais petite, j'ai voyagé un jour avec ma tante à Moulay Yacoub, et là, elle est sortie et elle m'a laissée dans la chambre d'hôtel. Moi, comme a dit Imad, je me suis endormie et les vêtements qui étaient à côté, donc m'ont couvert, hein, j'étais couverte par les vêtements, elle ne m'a pas vue. Et elle m'a cherché partout, elle pleurait la pauvre. Et finalement, elle a voulu prendre sa djellaba pour aller chercher plus loin. Et elle m'a trouvé sous la djellaba. Donc, c'est à peu près le même souvenir. Donc, je vais ouvrir aussi pour Ali Ayet. Oui. Et je vais voir aussi. Moshidi, c'est pas grave, Kautar, même si tu as fait des erreurs, c'est pas grave. C'est pour vous encourager à parler en français, c'est tout. Hein. Donc, cette séance d'activité orale, c'est pour vous donner donc une occasion de parler en français.
J'attends que le contact s'établisse avec un des présents. Rabir. Donc j'essaie de. Voilà, ça s'ouvre pour Rabir. Bonsoir Rabir. Bonsoir. Bonsoir. Donc Rabir, tu es de quel pays? Allô? Malheureusement, le contact est coupé avec Rabia. Allô? Allô? Alors, c'est Allô, qui? bonsoir. Bonsoir. C'est Robert. Rabia. Bonsoir, Bonsoir. Rabia. Oui, Rabia. Bonsoir. T'écoutes? Bonsoir. T'écoutes? Oui, oui, Bonsoir. j'entends. Oui. Bien. Alizé Robert, tu es de quel pays? C'est la première fois que je rentre cette Séance, d'accord. course de C'est français. première fois. Oui, bienvenue. Merci. Alors, Rabia, tu vas nous raconter un petit souvenir? Ouais. Ah, vas-y. Merci, Hanan, Barhamoudina, merci. Bon, Rabia, tu nous racontes le souvenir? Vas-y, Rabia. Allô? 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 Allô, c'est qui? C'est Allô, moi, c'est? je m'appelle Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Vous m'entendez? Comment allez-vous, madame? Bonsoir. Bonsoir. Je suis. Alors, tu es Bonsoir Mohamed? à tous. Oui, je suis Oui. Mohamed, je suis d'Égypte. Je suis égyptien. Oui. Oui, enchanté, Mohamed. Enchanté, madame. Je suis très heureux de vous entendre. Oui. Je vais parler du révélation en Égypte. Oui, d'accord. Cette situation est très, très importante pour moi et pour les Égyptiens et pour les Arabes. Parce Oui. que la révélation en Égypte en Tunisie, Syrie, et tous les Arabes est très, très important pour nous. Parce que c'est un stage très très important pour aller avance. Allô? Tout pour moi. Alors, quels sont les, enfin, est-ce qu'il y a un souvenir que tu gardes spécialement en cette révolution? C'est-à-dire, tu as participé, tu es allé à Maïdan Tahrir avec les révolutionnaires, ou bien tu es resté, ou bien tu es allé ailleurs. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Allô? Allô, Mohamed?
malheureusement, n'entend plus Mohamed. Et je vous remercie pour votre. Oui, madame. Oui, bien. Merci, Mohamed. Raconte-nous tes souvenirs pendant la Révolution. Oh, il y a un problème, donc plus de son avec Mohamed, plus de contact. Alors, voyons, faites voir. Il y a une femme fou, Norshir. Alors, Ahmed, il a un petit souvenir. D'accord, je vais voir avec Emmett si ça s'ouvre. Oui, Allô, oui. Emmett? Oui? Alors, raconte-nous Mon oncle, ton petit souvenir. oui, mon oncle, il vient chez nous pour nous visiter Pour nous et il rendre rentre visite. dans la maison Ahmed, pour nous rendre visite. pour nous rendre visite, oui. Oui, Pour parce nous qu'on dit rendre visite, oui. Et moi visiter qui. un lieu et rendre visite à une personne. Ok, merci. Et nous rendre visite. Et moi qui je le salue, je lui dis ça va. Il me dit ça va bien. Et après, il sort. Le son est coupé. Une pièce de dinars pour mais moi je te dis Bon, il a sorti une pièce de 10 non non dinars. merci et j'attends lui pour pour me dire quoi tiens tiens et lui il me dit non si tu veux a Si dit tu veux pas, il va pas te donner. pour répétez-moi tiens tiens mais lui il me dit si tu veux pas, c'est bon, c'est bon. Et là, Il a rangé l'argent, oui. Oui, il a rangé l'argent. Mais moi, j'ai dit, oh, malheureusement, moi, Tu as comme j'étais regretté. bête, j'étais un nia. Tu as regretté d'avoir dit non. Oui. Alors, il faut jamais dire non pour l'argent. On dit pas Oui, non quand merci. quelqu'un nous donne de l'argent. Oui. Bon, c'est bien, Ahmed. J'espère que les autres aussi participent. Je sais pas, le contact est très difficile avec les autres. J'essaie avec Nora Cher. D'accord, Hanan, je vais te donner le micro. Voilà, donc espérons qu'il s'ouvre pour toi. Ah voilà, Hanan. Bonsoir Hanan. Bonsoir. Alors Hanan, tu vas nous raconter un petit souvenir. Bonsoir. On m'écoutait tout le monde, non? Et on écoute, oui. Bon, salut tout le monde, bonsoir. Je vais raconter une histoire. D'abord, Hanan, tu es de quel pays, Hanan? Je suis marocaine. Oui, d'accord, Marc. Ah oui. Bienvenue, Hanan.
Si, raconte-moi une histoire. Bon, c'est une histoire de mon enfance. Et que je me rappelle une fois, je suis sortie avec ma mère. C'était Casablanca. Et je me rappelle que j'ai vu un voleur qui est en train de voler quelque chose d'une dame. Oui. Je me rappelle que en voyant cette bon, comment dire, En voyant cette personne voler la dame, qu'est-ce que tu as fait? bon, j'avais peur, j'avais tellement peur, j'ai voulu de dire à cette dame que quelqu'un est en train de vous voler, mais j'ai pu pas dire ça. J'avais Il pas dit. Oui, y avait peur de du voleur, oui. j'ai pas osé de dire ça. Alors, elle m'a vu. Elle m'a vu que je suis en train de voir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et elle a essayé avec son doigt. Elle m'a, comment dire, elle a signé, elle a pointé son doigt en disant, en donnant Là, on une ne parle ordre pas. de ne pas parler. Oui. Alors, je pense que j'étais en train j'avais tellement peur, Tremblé. oui, j'ai pu pas me calmer. Après il n'a pas pu rien voler de cette dame. Et après, j'ai dit à ma mère. Ma mère m'a dit, bon, tu dois te calmer et fermer ta bouche. Ferme Ou la bouche. bien, quelque chose Vous arrivez. va Oui. t'arriver. Voilà. Mais comme toujours, comme d'habitude, je ne peux pas me calmer, je ne peux pas me rester sans dire rien. Alors après qu'il a parti, Il est parti. il est parti, j'ai allé chez sa femme et je lui ai dit, bon, il y a quelqu'un qui a essayé de voler quelque chose de votre sac et vous n'avez pas fait attention. Et je me suis fui. Oui, Et après d'accord. ça, alors moi, mais chaque fois je me rappelle de Oui, ça fait cette peur, peur. oui. Ça fait peur et heureusement que la femme, donc, que le voleur n'a rien volé à cette femme. Mais Oui, ça, voilà. c'est un problème lorsque, c'est vrai, lorsqu'on voit quelqu'un en train de voler quelqu'un d'autre. On est bloqué, on ne peut pas parler, on a peur, et ça arrive à tout le monde, vraiment, parce qu'on ne sait pas comment on va réagir ce voleur. Voilà, cette situation ou bien cette souvenir a resté marqué dans mon esprit Et moi, oui. parce que je sais pas ou bien j'avais pas su puisque cette moment c'était quoi le meilleur choix. C'est de Oui. dire quelque chose, dire dans cette situation et dire voilà, madame Tika En elle train essaye de de te me voler. voler. Ou bien de ne pas rien dire parce que ce monsieur voleur peut bien Peut te faire du mal. me chercher après. Et me faire ouais, voilà, me faire du mal. Alors, C'est c'était ça le ça, problème parce qu'on ne peut pas choisir entre telle ou telle situation. On ne sait pas quoi faire. Mais heureusement que ça s'est bien terminé puisque la femme, donc le voleur n'a plus rien volé à la femme et qu'il est parti sans faire du mal à personne.
Merci, Hanan. Merci à vous, madame, De rien. pour donner la chance pour parler. Oui, c'est un plaisir, Hanan. Donc, voyons quelqu'un d'autre. Je vais voir, donc, espérons que le contact s'établit avec quelqu'un. Bon, alors, j'espère que cette séance donc, vous a donné un peu la possibilité de vous exprimer oralement en français. Le contact est impossible avec les autres. Alors, les personnes qui ont participé avec nous, je les remercie de nous avoir donné leur souvenir, de nous avoir raconté leurs souvenirs. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Et à lundi prochain, Inch'Allah. Donc, il n'y aura pas de cours, bien sûr. Vendredi, c'est l'Eid Moubarak Saïd pour tout le monde. Et je vous souhaite donc une bonne fête. Ne mangez pas trop de viande parce que ça peut vous faire du mal. Et à bientôt et à lundi prochain, Inch'Allah. Allez, bonsoir. Et bonne nuit.